Pour moi, être français, c'est aimer les débats. Toujours, tout est prétexte à débat. Il fait beau, ouais, mais il fait moins beau qu'hier. Nonobstant, hier, il faisait moins beau. Alors qu'en Suisse, ben, on n'aime pas trop les débats. On préfère que l'autre ait raison parce qu'il faut pas de conflit. Être français, c'est dès qu'on te fixe une règle, il faut trouver le moyen de la contourner. Genre, j'ai dû annuler un week-end dans le sud à cause du Covid. Mon collègue français, il me dit, mais t'as pas besoin de l'annuler. Tu prends un billet Marseille-Bourg-en-Bresse, puis Bourg-en-Bresse-Lausanne, puis personne saura que t'étais dans le sud. Oui, t'es gentil, mais je vais pas me taper l'escape game de la SNCF pour m'éviter 10 jours de quarantaine. Pour moi, les Français, c'est des gens dont je connais la culture, le sport, la politique, la géographie. Donc c'est un tout petit peu vexant parce qu'en retour, souvent j'entends des « Bah alors, le petit Suisse, on a un yaourt, t'en as pas marre de planquer l'argent de nos riches ?» Donc ouais, on a l'impression que la France s'intéresse pas tellement au reste de la francophonie, un peu auto-centrée. Et d'ailleurs, la preuve, c'est quand un média français demande l'avis des Suisses, c'est l'avis des Suisses sur les Français. En Suisse, on dit que les Français sont grandes gueules. Pour moi, les Français sont charismatiques. En Suisse, on dit que les Français sont chauvins. Pour moi, les Français sont fiers. En Suisse, on dit que les Français sont mal organisés. Pour moi, les Français sont bons vivants. Pour moi, être français, c'est rajouter des « e » à la fin des phrases. Non, mais en fait... non, mais en revanche... Pour moi, être français, c'est parler très très mal anglais. It is very hard to the French people out there to speak English properly. Voilà, c'est vachement compliqué pour eux, j'ai l'impression. Tandis que for us, it's very easy. Les Français, déjà, de mauvaise foi. Ouais, énormément de mauvaise foi, j'ai jamais vu ça, c'est incroyable, ils vont jamais admettre qu'ils ont tort. Le français n'est pas très enthousiaste, hein. Quand quelque chose est extrêmement beau ou extrêmement bon, il va dire « ouais, franchement, c'était pas dégueulasse ». Ouais. Je me souviens qu'une des choses qui m'a marqué quand je suis arrivée en France, c'est que le français aime bien rajouter ton prénom à la fin de chaque phrase. Donc, soit pour te montrer qu'il se souvient de ton prénom, ce qui en effet rend la discussion plus personnelle, ou soit au cas où toi-même tu aurais oublié ton prénom. Ce qui peut arriver, effectivement. Donc ça donne « Bonjour Victoria, comment vas-tu Victoria ?»« Que fais-tu Victoria ?»« Où vas-tu regarder le match de foot Victoria ?»« Penses-tu vraiment que vous avez une chance de gagner ce match Victoria ?» C'est bon, Loulou, t'as pris ton forfait? Ben, on se voit tout à l'heure au restaurant d'altitude.